Est-ce que normal qu'on arrive de continuer dit, mon cher moine, ma c'est moi la vie, donc m'a planté en masse. Non. Hier, je disais à des étudiants, la première chose à faire pour le développement en Haïti, quelle que soit l'angle que vous considérez, ce sera toujours l'éducation. Il faut éduquer les agriculteurs et il faut les informer par rapport au changement climatique. Et l'éducation qui est à ce n'est pas pour dire comment pour lutter contre le changement climatique, mais comme vous me dites dans l'exposition, son éducation qui pour dire comment pour réagir à une donnée qui est le changement climatique. Lorsque vous connaissez que l'arbre était complètement en mars et que vous avez lancé fin avril, l'arbre a tombé et pas aucune garantie, bon changement de comportement qui devrait gagner. Par exemple, il n'est pas possible qu'un agriculteur ne pas connaître ce qui a passé dans la météorologie. Okay. En Europe, par exemple, Mounio, c'est comme si chaque coup de levé matin, il faut garder qui sa météo dit sur la journée. Parce que le poids de nous, en Haïti, il y a un agriculteur qui ne compte si ça existe. Qui est là pour être tombé? Est-ce que normal qu'on ait un agriculteur continue à dire mon cher moi, c'est moi la vie, donc je vais planter en masse? Non. Il y a besoin de suivre la météo parce qu'il y a une prédiction faite avec. Actuellement, on précision assez intéressante où qu'on est que mois ça à mars 2024 la plupart tombe ou qu'on ça d'avance ou qu'on ça n'importe 6 mois avant. Oui, donc ça veut dire qu'on est ou capable changer comportement au lieu que on dit bon quoi le temps de mars pour garder calendrier météorologique qui les voit bien la pluie et pour adapter à ça. Donc nous besoin pas bien dans ce sens là.